se retrouve pour le deuxième épisode de ce vlog quotidien. C'est aujourd'hui où tout va se corser un peu, puisque hier c'était la toute première vidéo, donc c'était facile pour moi de vous montrer des premières choses. Aujourd'hui, ça va être un peu plus difficile, puisqu'il va falloir que j'innove un peu et que je trouve de la subtilité à vous montrer, donc j'espère qu'on va passer une super journée ensemble. On commence, comme d'habitude, par des petits meetings, traitement des emails, et ensuite, on va se consacrer à quelques tâches de fond à réaliser. On continue ensemble, à tout de suite. Bon, il est à peu près 10h30, la matinée avance bien, très bonne exécution ce matin, je commence à bien descendre la to-do. Il y a quelque chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'importance d'être à l'heure dans tous les meetings d'une journée. C'est vraiment une discipline que j'essaie de m'imposer chaque jour, de pas avoir une seule minute de retard au moindre meeting que je fais. Et en fait, je m'en suis rendu compte après avoir lu quelques bouquins ou après avoir échangé avec quelques personnes de l'importance composée du temps de ces meetings, de ces temps de retard. Et l'exemple typique, c'est si t'arrives 10 minutes en retard à un meeting de 6 personnes, bah t'as fait perdre une heure de travail collectif, et en fait ça accumulé sur un an, sur une organisation, bah c'est des heures et des heures qui sont pas travaillées et qui sont même potentiellement perdues. D'autant plus avec le télétravail, les confinements, etc., on a parfois eu tendance à avoir de plus en plus de meetings dans une journée, à superposer à fond les meetings, à en faire qui s'enchaînent, etc., puisqu'en soi on n'a aucune excuse pour dire de prendre 15 minutes entre chaque meeting, de dire il faut changer de salle ou il faut aller à un autre endroit, etc. Et du coup il y a de plus en plus de personnes qui sont en retard à certains meetings ou juste qui en ont marre des meetings, donc évidemment il faut bien sélectionner ses rendez-vous, bien les préparer, mais ça on pourra y revenir. Mais vraiment le retard à des réunions c'est impossible, et en tout cas ça arrive pas de mon côté ou très très peu, et vraiment j'essaye de limiter au max. Ouais, je voulais t'en parler, j'espère que ça résonnera chez toi, donc si tu bosses avec d'autres personnes, ne sois pas en retard. Si c'est un meeting avec moi, ne sois pas en retard non plus s'il te plaît, parce que sinon ça m'énerve un peu. Voilà, et compte sur moi pour pas être en retard si un jour on se rencontre. Voilà, à bientôt, ciao. On se retrouve ce midi, on a fait quelques mètres depuis l'appartement pour aller déjeuner au bord de la Seine dehors. Ça fait extrêmement du bien d'être ici, c'est tout calme et surtout c'est à l'extérieur, donc ça fait plaisir. On va faire un bon déjeuner et ensuite on se retrouve pour une après-midi que j'espère bien chargée et pendant laquelle on va bien se régaler. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve après notre grosse après-midi de travail et je suis assez content parce que ce matin je te disais que j'avais peur de pas avoir assez à te montrer dans cette journée, et en fait la journée est bien remplie et elle se remplit encore plus puisque je suis en train de préparer un dîner avec un très bon ami ce soir, donc je passe à acheter de quoi faire à dîner, que je prépare, que je cuisine, et ensuite on sera tout bon pour profiter de notre soirée. J'espère que j'aurai le temps de faire le montage, mais normalement tout va bien se passer. On se retrouve tout à l'heure sûrement en cuisine. À tout à l'heure, ciao. Bon, c'est la fin de journée, peut-être que ce petit fauteuil va devenir un rituel de fin de journée pour faire le point. C'était encore une bonne journée, j'étais content d'avoir déjeuné dehors, ça c'était super cool. Bien bossé, on a fait du bon boulot aujourd'hui, je suis toujours en zéro inbox, donc ça fait plaisir. Et là, j'ai des invités chez moi, donc je vais faire les courses, tout est en train de cuire et on va se régaler, on a un petit peu de vin, c'est sûrement une facette de ma personnalité que vous découvrirez au fur et à mesure des épisodes. Il me reste un tout petit peu de montage à faire, mais j'ai un peu triché parce que j'ai quasiment tout fait, donc il me reste juste deux petits rushs à ajouter. Il me reste aussi à vous souhaiter une très bonne soirée. Dans tous les cas, on se retrouve demain. Ciao !